Dans le cadre du projet Fer Sahel, financé par l'Union européenne, une vingtaine d'acteurs de l'agroécologie sahélienne, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, se sont réunis au centre IRD ISRA de Dakar au Sénégal pour suivre une formation à l'outil BioFungTool. Parce que les sols font face à de nombreuses menaces, principalement d'origine anthropique, qui mettent en péril la fourniture de services indispensables à l'humanité, l'IRD et le CIRAD ont développé cet outil low cost et low tech. BioFungTool permet de mesurer l'impact des pratiques agricoles et des transitions agroécologiques sur la santé des sols. Du 16 au 20 mai 2022, les participants ont ainsi bénéficié d'une formation alliant théorie et pratique. L'aspect théorique a permis de partager le concept de santé des sols et le caractère novateur de la démarche BioFungTool, axée sur l'activité biologique du sol. Aujourd'hui, on commence notre première journée de terrain. Au cours de travaux pratiques de terrain, les participants se sont familiarisés avec les 9 indicateurs du set BioFungTool qui évaluent 3 fonctions majeures du sol. Pour la dynamique du carbone, le POX mesure le carbone labile, le CITURESP, l'activité microbienne à travers une mesure de la respiration du sol, et le BAIT LAMINA, l'activité de la faune du sol. Pour le maintien de la structure, le VESS mesure visuellement la structure du sol, la stabilité des agrégats du sol est mesurée à 2 profondeurs, et le BIRCAN mesure la vitesse d'infiltration de l'eau. Voilà, là il faut être vif, avoir débouché ses premières bouteilles. Pour le cycle des nutriments, les membranes échangeuses d'ions mesurent les nutriments disponibles pour les plantes. Et enfin, on mesure la quantité d'azote minéral disponible dans le sol. Pour clore cette formation, la démarche d'analyse des données et des résultats d'essais a été présentée. Cette session aura aussi donné lieu à de riches échanges entre participants et avec les formateurs. À cette occasion, des tutoriels vidéo ont été réalisés pour faciliter les préparations en laboratoire et les mesures de terrain. Ils sont disponibles sur le site BioFungTool. Cette formation est reconduite 1 à 2 fois par an. Pour plus d'informations sur BioFungTool et la formation, contactez-nous.